Ben, je suis Joanne Arnoux, j'ai 3 enfants et je dirige donc la société Technet Group que j'ai créée en 2000. Alors quand je suis rentrée effectivement à Mada, donc j'ai eu aussi donc première expérience sur Mada professionnelle où j'étais directeur commercial de RTA. Donc c'était pas forcément un schéma que je cherchais en fait de travailler pour les autres et de là l'idée m'était venue d'essayer de trouver en fait quelque chose qui puisse tourner vers le monde, une activité qui tourne vers le monde à travers l'internet qui démarrait à cette époque-là. Quand on est entrepreneur, il y a une chose qu'on oublie souvent. C'est pas juste faire un business, c'est un travail de longue haleine. Et en fait, on grandit avec son entreprise et on devient mature avec son entreprise. L'investissement qui est très important en termes de, dans la création, dans la vie d'une entreprise, on le voit parce qu'on le fait vraiment beaucoup et je pense que ça nous apporte beaucoup de valeur ajoutée, c'est la formation de ses ressources. Donc il y a beaucoup de formations qu'on fait vis-à-vis de nos collaborateurs. Beaucoup ont eu la chance de partir en Europe pour se former chez nos partenaires et ou inversement nos partenaires viennent. Donc je pense que c'est la meilleure, je dirais c'est vraiment l'investissement qu'il faut, sur lequel il faut se focaliser. Ce qui motive, c'est parce que je suis passionnée par rapport à ce que je fais déjà. Quand on crée une entreprise, c'est que d'abord avant tout, il y a une vision, il y a une passion. Et puis l'idée de partager, de transmettre, tout ça, on va dire, fait que quelque part, je me dis si je peux apporter, une goutte d'eau ou ma brique sur le pays, pourquoi pas. Et puis surtout, ce qui est motivant, c'est aussi l'équipe avec laquelle on travaille, quoi.